Bon, il est 16h, donc c'est le début officiel de stream marathon. Donc là, on a une heure pour une run Isaac. On va le refaire. On va le refaire avec un autre perso. Et cette fois-ci, on va essayer de pas faire le con avec le... avec la clé rouge, hein. Donc, nous avons maintenant, avec Judas, le petit... la note de papa là-haut. Et nous l'avons également avec Bethany. On va faire un speedrun avec le nouveau DLC. Non, speedrun, non. Mais des striking, peut-être. Mais déjà, on va finir le jeu à 100% avant. Clairement. Cette fois-ci, on va pas faire le con avec la red key, ouais. Donc, alors, le problème, c'est que Isaac, j'ai pas le D6 encore. Avec qui on le fait? Avec K1, hein, ça peut le faire. Avec Eve, ça peut le faire. Go avec Eve. Go avec Eve. Let's go. C'est quoi à côté de la dad's note? À côté de la dad's note. C'est le couteau. C'est quand on a buté Mother, qui est le nouveau boss de l'étage alternatif. Qu'il va falloir qu'on fasse aussi. Mais là, je veux surtout voir, en fait, comment fonctionnent... enfin, les nouveaux persos. Parce qu'il y a des nouveaux persos qu'on n'a pas encore débloqués. Justement, avec la clé rouge, là, qu'on a fait une connerie. Alors, curse... labyrinthe, on a un XL. Ok, on va essayer de pas prendre de dégâts rouges. De cœur rouge, mais il me faut une... il faut une curse room, du coup. Pour me mettre un cœur rouge. Et bonjour, YouTube, au passage. C'est vrai, difficile de pas faire le con... quand on sait pas quoi faire avec. Mais je pense, vu l'utilisation qu'on en a eu, apparemment ça m'a montré une secrète, ou ça a généré une secrète, je sais pas trop. Et du coup, en fait, je pense qu'il faut l'utiliser, mais dans la maison. Donc on va essayer de l'utiliser dans la maison, on verra. The Stars, ok, pourquoi pas. Je peux essayer la pilule. Non, oh, ça va, on est déjà assez grosse comme ça. Ok, on a déjà les boss. J'aimerais bien un petit cœur bleu avant. J'aimerais bien être War of Babylon aussi avant. Ce serait bien. Il est où le dernier? Il est là. La prédit, elle a été résolue, hein, normalement. Essaye de rafraîchir. Ah, mais c'est toi, Spartatouille. Mais what the fuck. Putain, what the fuck. Je l'ai vu se résoudre, la prédiction. Toi, t'étais vraiment le mec qui a tous les bugs du monde, hein. T'arrives à l'annoncer ou pas? Au pire, je peux perdre un cœur là-dessus, je crois que ça me baisse pas le Devil Deal. Je vais essayer de l'utiliser dans la salle que tu as la clé montre. Vu que tu l'utilisais devant la salle. Non, je pense pas. Vu que ça a ouvert la porte, je pense pas. Non, non, cette fois-ci, on va la garder, la clé rouge, jusqu'à la fin de l'étage. Jusqu'à la maison. Parce que la première fois, en fait, la clé, on me la donne dans la maison. Donc ça m'étonnerait qu'on me la donne et que je puisse pas la servir, en vrai. Ok, on a le shop. Le deck of cards est sympa. Le deck of cards est sympa, mais de toute façon, j'aurais pas le pognon. Donc, non! Chier. Ah! Nouvel item! Bird's Eye, it burns. Ok, un truc avec des flammes, c'est un nouveau piment. Ah ouais, regardez, j'ai un piment dans l'œil. Ah ok, bah on avait à peu près l'équivalent tout à l'heure. Ok, on tire des flammes de temps en temps. Très bien. C'est les petits concombres. J'ai eu la deuxième, non. Peut-être que fabriquer plusieurs morceaux. Ouais, peut-être, on peut essayer d'abandonner plusieurs morceaux de la clé. C'est possible aussi, ouais. Alors sur la VOD de Shishayu, Shishayu ne parlait que d'une trinket, hein, donc je sais pas. Je ne sais pas. Déjà, faut qu'on trouve une trinket avant tout. Bon, ça va, une trinket, quelle qu'elle soit, ça devrait aller. Oh, mais c'est zéro, ça. C'est zéro. On va peut-être voir le Devil Deal et peut-être reset derrière, hein, parce que là, on a eu deux items vraiment nuls. Enfin, la flamme, c'est peut-être pas mal, mais... l'activable, il est pourri. Après, ça fait du dégât. Oh, attendez, ça a été up. Ça a été up, ça génère des araignées maintenant. Ah, c'est peut-être un peu mieux qu'avant, alors. C'est peut-être un peu mieux qu'avant, on peut le garder. Apparemment, c'est que dans les boss rooms, ouais. En fait, le reste de l'étage est régénéré, c'est un nouvel étage. Même si les item rooms sont vides, etc., ça reste un nouvel étage. Donc, je pense qu'on doit le laisser dans le... dans le... la boss room pour pas qu'elle spawn, je pense.
Ok, si ça tue les mobs, ça génère des araignées. Donc c'est bien, hein. Franchement, c'est bien. Les araignées, c'est x2 mes dégâts, donc, et c'est que 2 charges, donc en vrai, ça va. C'est acceptable. Ok, y a pas de curse. Donc, et je suis pas sûr qu'on se transforme pas, que ça nique pas nos... Non, mais ça, non, ça va pas niquer. Donc là, je peux me prendre du dégât dans la sacrifice. Ce qui va paniquer mes probas. Voilà, ça n'a paniqué mes probas et je suis War of Babylon. Parfait. Ouais, c'est un très bon up, effectivement. Plutôt sympathique. Okay, j'ai pas besoin de le ralentir, lui. Donc on va pas utiliser l'activable. Oh, et les flammes, elles font du dégât, hein. Wow, il y avait le caillou qui a failli me foutre dedans. Ok, je prends, shot speed up. Il y a une carte Two of Spades. J'ai pas de clé pour le moment. On va garder Two of Spades pour le moment. Ok. Ah oui, invoque plein de caca. Merci. Ah mais faut pas que je les tue par contre. Ouais, je le fais maintenant, vu qu'il a ralenti. Ah bah là voilà la trinket, c'est une bonne en plus. C'en est une... Ah non mon David Deal. Ah bah je suis mort. Voilà, tant pis hein. Ah je m'étais fait niquer mon David Deal donc merde. Non j'avais une bonne trinket et un bon build, fuck. Zéro. Je crois que la prédiction avait... Tu l'avais relancée ou pas, Spartato, oui, la prédiction. Je l'ai pas vu réapparaître. Ah oui, je suis mort. Je suis bien mort. Hein. Ah oui, ok, elle avait été relancée. Et il y a une nouvelle prédiction de relancer, du coup. Nickel. Quelle salle ne change pas quand tu remontes? Bah, il n'y a que la boss. La salle de boss, en fait. Allez, viens, alors, loup. Des bombes The Stars, on a une carte de TP mais on s'en fout pour le moment. De toute façon on va avoir The Fool. Donc ouais on s'en fout en fait maintenant de la carte de TP. C'est la trinket qui est la plus importante. À la gauche je suis déjà venu. Justice, ok. Chop la carbatrice, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal. Dépendant de notre activable, évidemment, mais ça peut être pas mal, ouais. Ouais, mais le layout est quand même différent, donc franchement, je sais pas. Je vais pas prendre de risque. Parce que les trinkets, j'en avais laissé sur tous les étages, j'en avais laissé un peu partout et on en a vu aucune. Hein. Donc je pense que c'est vraiment dans la salle de boss. Merci Cocombre. Ok, il manque 3 pièces. Je pense qu'on peut se permettre de bomber la banque. Si je trouve pas 3 pièces d'ici là. Ouais, dans cette salle, ça va être certain. Parce que même si la carte batterie pour le moment ne sert à rien, elle peut vraiment être utile.
Et au passage, Mongo Baby, c'est nul à chier, mais... Ok, on prend, hein. J'ai pas de cœur bleu, sérieux. Alors, nous allons bomber la banque une fois. Prendre la carbatterie. Ok, on va aller se blesser. Et ensuite, on va passer à l'étage suivant. Et j'ai pas pris l'item en plus. Mais si, je suis con, c'est Mongo Baby. Ah, j'ai des clés en plus. Ah merde, j'ai ramassé un cœur. C'était déjà le cas, je crois, stand-by. Certains items de heal, de HP up te healaient déjà. Ok, tâche suivant. Let's go. On n'a pas de cœur bleu par contre. Ça, ça pue un peu. Harlequin, oui, pas monde. C'est vrai. Ok, si jamais je ramasse des cœurs, on a une machine de dons. Ok. Pas de curse, pas de curse. On ira sacrifier plus tard. Hein. Et on pourra aller dans la curse parce qu'il y a des... Bah je peux aller dans la curse maintenant en fait. On va aller dans la curse maintenant. Allez, cool. Speed up. Frontier. Ok. Ouais, le bébé avec... je sais plus. Ah oui, avec une crête. Recharge l'activable. Alors, le shop, la blue map aux F, je pense. Ah, par contre, peut-être. Ah, attendez, peut-être que la blue map peut m'aider avec le bout de clé. Peut-être. Donc, si jamais je trouve encore deux pièces, on va pas bomber la banque pour, mais si je trouve deux pièces, ça peut peut-être m'aider. Allez, viens, saleté. Bon. Merde, elle a bougé, je l'ai pas vu. Mon devil dit dans le cul, dans le cul. Fuck. Bon, ça reste 50%, ça va. Ah, nique toi, j'ai pas vu qu'elle était passée à travers les cailloux, mais ça c'est un glitch qu'il y a depuis longtemps, et ça n'a jamais été corrigé, bordel. Pourquoi je prends pas l'item? Je vais la prendre maintenant, mais en fait, dans le shop, on fait toujours le shop avant, parce qu'il y a un item important dans le shop, qui nous permet d'avoir deux items dans l'item room. Mais comme il n'est pas là, je peux y aller. Minimush, speed up. Et range, aussi. Ok. Oh, je suis rapide par contre. Oh, je suis trop rapide. Oh là là. Ok, bon, je suis content d'avoir de la vitesse pour le coup, mais c'est quand même très rapide. Ah bon, ouh, j'ai un demi-cœur, hein. J'ai un demi-cœur. Il va cracher. Je peux pas y aller, il va cracher. Ok, merci le cœur. Ok. On finit de full clear. Il n'y a rien. Il y a peut-être une trappe. Non, d'accord. J'ai 5 bombes, on va aller bomber des trucs. Du coup, on bombe ça. On bombe ça. Ah bah voilà du pognon, on va acheter la blue map, hein. On prend ça. On touche ça deux fois. Pas de HP up. Je vais la laisser pour le moment. On va acheter la blue map. Il me reste 6 bombes, donc on va pouvoir prendre les secrets super secrets.
merci pour le follow. Moult pilule, on a déjà commencé, hein. Finissons. Hematemesis. Ok, ça me fait un cœur pour la machine. Health down. Oh non! Shot speed down. Oh, le health down qui fait chier là. Ok, bah on a récupéré un cœur hein, du coup. Ah non, c'est le portable. Ah mais il est débloqué le portable du coup. Oh, faut que je fasse gaffe par contre, j'ai la carbatterie qui ne marche pas. Ok, la carbatterie qui ne marche pas avec le Ivy Bag. Heureusement. C'est bien, c'est très très bonne nouvelle ça, que ça ne marche pas. Ouais, ça marche pas. Ah, c'est bien. Je sais pas si c'est... avant ça marchait ou pas avec la Ivy Bag. Y'a pas un cœur bleu au shot. Y'a pas de cœur bleu au shot. Ok. Car batterie, c'est deux, c'est double effet de, d'activable. Allez, ah mais on a... Comment ça se fait que j'ai 80% de Devil Deal maintenant? Bon ok, j'ai moins. Et comment ça se fait que j'avais 80%? Ok, j'ai du bol. Ben le sacrifice à l'altar, je pense que je le prends hein. Est-ce qu'on s'en fout de mon Harlequin Baby là? Ah j'ai bombé le mendiant, ça m'a donné autant que ça. D'accord. Et en plus, il y a un cœur bleu. Ouais, go. Merde, fallait que j'utilise le Ivy Bag avant. J'ai oublié. J'ai oublié. Spirit of the Night. Vol. Spectral Tears. Ça me va. On reprend le Ivy Bag. J'aurais pu me générer un petit peu plus de thunes. Tant pis. Ok. Étage terminé. Étage suivant. J'ai toujours pas de trinket, par contre. Je vais juste remplir ma clope deux secondes. Ok, bon, Curse of the Blind, super, super. Mon père était une jambiste, mais moi, ma femme a pas de moustache. Merci beaucoup, Sissirac, pour le risque pour les 5 mois, bienvenue. Merci beaucoup. Ouais, c'est 2,5%. 30%, ça me paraissait beaucoup quand même. Seul bombage du mendiant. Voler c'est cheater. Bah non, voler c'est jouer. Voler c'est le talent. C'est le swag, c'est la classe. C'est... Attention, je suis pas à l'abri de la mort, hein. J'ai que deux cœurs, mais. Ça devrait bien se passer. Après, on a pas des masses de dégâts. Hein. 5,80, c'est pas encore monstrueux et la cadence de tir est toute pourrie. Non, non, parce que avant, quand je me suis pris des dégâts la première fois, j'étais tombé à 46%. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Ouais, go faire ça. Hein. C'est quoi? Range et luck. Range et talent. Et nous, te pognon surtout. Tiens, il vient d'où le cœur bleu? C'est le collier de perles qui me donne un cœur bleu? Je crois que c'est la troisième fois que je pose la question. C'est possible. Bon bah voilà, comme ça on n'a plus le cœur bleu. En bombant les mendiants à l'arcade, j'ai gagné autant. Ok, d'accord. Non, la banque, j'ai pas encore 99, non. Pas encore. Je suis à 909, je crois. Enfin, 999. Je crois que je suis à 909. Ok,
Ah, n'importe quoi, il y a le shop. Ouais, j'ai pas de cadence de tir. Putain, j'ai eu une cadence de tir explosée, quoi. Du coup, je fais n'importe. Gunman, on s'en branle. Je veux bien un cœur noir, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Temperance, en Gunman. On va garder Stars pour le moment. On va prendre l'item et on va prendre le cœur bleu. Hein. Deck of cards. Lover. The lovers. Ok, on revient là. Je suis 904. J'ai bombé avant, je pense. Ok, on clear l'étage avant de faire toute notre petite cuisine interne là de conneries avec les cœurs et tout. Ram Spurl donne bien un cœur bleu. Ok, d'accord. Bon, attendez. On va faire ça, hein, tout simplement. Bird Eye, ah bah voilà. Nouvel essai avec le avec les flammes. S'il veut bien les cracher un jour. J'ai deux de luck quand même. Merci. Ah ouais, tu les tires. Non, il y en avait deux. Merde. Putain, on les voit pas assez bien les coffres à pic maintenant. Un jour ça va me tuer. Hein. Un jour ça va me tuer avec un The Lost ou même avec un perso. J'aurai pas de cœur et ça va me buter. Et du coup j'ai plus de cœur bleu. Y a rien ici. Oui, on peut repérer, mais c'est tout petit, c'est, il est légèrement sanglanté en bas à droite, le coffre. C'est chaud à voir. C'est méga chaud à voir. Ok, ben goal boss, hein, sans cœur bleu. J'ai pas vu de caillou marqué. De toute façon, j'ai pas de bombe. Ça va peut-être nous shot, mais tant pis. Est-ce qu'on ferait pas notre tambouille avant? J'ai fait la tambouille avant. Du coup, on prend Temperance. Avec Temperance, on vient ici. Temperance. Ok, on a eu du pognon. Il reste un liqueur qui traîne. Ok, donc on bombe. Ah, j'ai pas de bombe, donc on bombe pas. Là, c'est quoi? Tower. Ah bah là, on a des bombes. Ouais, mais je vais pas bomber ici pour pas bomber ma banque. Ok, je récupère du coup... bah non, je vais garder Tower. Je vais chercher le Nicker. Et go pour le boss. Oh, je le connais pas, je le connais pas, je le connais peu. Je sais qu'il charge un moment. Il vole mes sous aussi. Fuck! Bon, Devil Deal dans le cul, hein, 2%. Et surtout la mort possible, soon. Allez, le Dead Bird qui fait le travail. Les flammes, les flammes. Oh, 2%. Je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté. Tower, Angleman. C'est vrai que j'ai un double activable en plus, j'ai oublié. Regardez Tower. HP up, Katon and Tails, shot speed up. Krampus, tu fais pas chier. Hein. Ok, ok, ok. Bon Devil Deal pour un demi-cœur. Merci pour le follow. Ouah, les araignées! Je vais crever sur des araignées dans les coffres. Ou des bombes. Alors, j'ai assez de vitesse pour esquiver les bombes, normalement. Ok. Bon, c'est pas le meilleur des Devil Deal du monde, mais ça me donne un peu de sécurité. Ok. Du coup... Je peux garder Emergency Contact, en fait. Non. J'ai pas de bombe, donc on garde Tower. Et... Attache sur. Non, mais c'est le talent, Melissa, une fois de plus. Hein.
Curse of the Blind, encore. Fait chier le jeu. Encore. Attention les pics sur les cailloux, ça aussi ça va me niquer un jour. Ça m'a déjà mis mal une fois ou deux. Oh, file-moi ton HP up, toi, s'il te plaît. File-moi ton HP up. Le HP up. Fuck. Fuck. Allez, une flamme. Yes. Flammes qui font méga travail sur ce genre de mob. Qui ont plusieurs hitbox, c'est facile. On a item room. J'ai débloqué la Black Candle normalement. Ah non, non, j'ai débloqué la Blue Candle, pas la Black. Donc on va se la taper jusqu'au bout, la malédiction. Bombe, on va la garder pour le moment. Ah merde, j'ai laissé la. La. Où je l'ai pas utilisé. La Two of Spades. Je crois que je l'ai abandonné. Tant pis. Ah non, c'était peut-être sur la run où je suis mort. Bad gaz, Zef. Alors, Tower. Ermite. On a deux ermites, donc on va utiliser une ermite maintenant. Merde, fallait que j'utilise. Non, pas maintenant. Fallait que j'utilise dans la Curse Room. Trop pressé, AS2. Broken Watch, c'est cool. Ok, j'accepte. J'achète rien d'autre pour le moment. Si, ça. Wheel of Fortune et Young Gunman. On garde Wheel of Fortune. On va aller dans le same room du coup. Ok. On peut aller à la secrète également. Ah, je peux pas les pousser ces tonneaux. J'ai déjà bombé un mendiant, donc on va. Ah mais quoi que j'ai 5 bombes de nouveau. Oh bon, mais lui. 50%, non. Mega Bean Gigafart. Wow. Super. Elles s'éteignent jamais ces flammes, hein, je crois. Tant que les ennemis. Ah si, non, j'ai rien dit. J'ai eu ma réponse au même moment. Du coup, alors attendez, on avait une carte Ermite pour la curse, comme ça je prends pas de dégâts. On a toujours pas de trinket avec ces conneries, hein. The Hermit. Gunman Osef. Je vais aller reprendre. C'était quoi? Wheel of Fortune, ouais. Salut Billy. Oh, il y a des cœurs partout. Ah oui, c'est vrai que j'ai 7 trinkets. Ouais, mais alors le problème de cette trinket là, c'est que c'est compliqué. Mais je vais la dropper, bah ouais, du coup je la prends et je la reprends après et je vais la dropper dans la salle du boss après le boss en fait. Ah oui, c'est vrai que je peux descendre à 0 cœur, c'est vrai. J'avais oublié. Hop. Et attendez, on doit avoir plein de cœurs là-dedans sinon. Pas du tout.
Je pense pas que ces statistiques, ces probas soient reset, hein, quand on sort de la salle. Parce que je l'ai déjà fait, mais il y a peut-être une histoire comme ça aussi. Si on sort de la salle, ça reset une partie des stats. On a quoi ici? The Empress, ok. Désolé, hein, c'est un peu long, mais là, il nous faut un item pour rendre le build viable sur le boss de fin. Tu m'emmerdes. Ah oui, non, j'ai cru que c'était relax. C'est dur, hein. Merci. Nous avons Roid Rage. Bon, le speed, c'est pas très grave. C'est pas fou. Et ouais, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Du coup, on veut garder l'autre carte, donc on va faire ça. Ah, ah, ah. Merde, j'aurais dû la claquer dans une secrète. Bon, droppez-moi des cœurs bleus, s'il vous plaît. Ou des trinkets. Ok. Je vais descendre à 15. On descend pas à 15. Alors, The Empress. On a deux fois The Empress. Je garde cette trinket pour le moment parce que j'aime beaucoup mon activable. Ah, quoique. Non, en vrai, il y a des chances d'avoir de meilleurs activables, très clairement. Non, je vais prendre d'autres. Je vais prendre, je vais prendre ça. Et il me reste une salle en bas, comme ça je reprends un cœur aussi au passage. Ah oui, je peux essayer de mettre 3 trinkets. Les 3 sont pas incroyables. Du coup, on peut essayer de mettre 3 trinkets dans la salle du boss, voir si ça nous droppera 3 bouts de clé, peut-être. On fait des expériences, on teste, c'est très bien. Et encore du pognon. Ok, alors, go le boss. Go le boss. Pas par ici. Merde, je savais! Je le savais que ça arriverait à un moment, je suis trop rapide. Ok, bon, ça va, on a de la chance. Déjà, la salle est ralentie de 1 et de 2, c'est vraiment le boss méga easy avec les flammes, s'il veut bien aller dedans. Il a pas besoin. Oh, puis il me drop une sacrée quantité de pognon. C'est la version dorée, non, ça? Qui drop autant de pognon? Du coup, j'utilise ça. Hierophant, Empress, Two of Clubs. Alors, on va utiliser Hierophant. The Hierophant. On va prendre l'item. Crackjack, on a encore une trinket en plus. Celle-là, je vais la garder par contre, de trinket. Celle-là, je vais la garder parce qu'elle est très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les deux. Allez, on est des warriors, hein. Ok, c'est très bien. Et Seven Seal moins bon. Seven Seal moins bon. Mais c'est bien. Ah merde, c'est ma flamme. Ok, alors maintenant. On casse les caquets pour des sous. Ensuite, je vais dropper la trinket ici. Attention, le truc de pique, je m'en souviens, c'est bon. C'est à quel étage qu'on s'en souvienne? C'est à Catacombe 2. Putain, on est à Catacombe 2. Catacombe 2, on drop 8 milliards de trinkets. Il en reste une dernière ici. J'ai oublié de prendre le cœur rouge, c'est pas grave. Non, seal, ça veut dire saut, alias. Du coup, on garde celle-là. Et on garde ça. Ok. Non, et on utilise ça. Et je garde les picots. Attends, pourquoi ça a pas pris... Ah, parce que les Devil Deal, en fait, ont des prix qui sont pas forcément en rapport avec tes cœurs, maintenant. Voilà pourquoi.
Et là, en gros, en fait, de toute façon, ça change pas. Si c'est un peu chiant, c'est quand même beaucoup de vie en moins, mais ça change. C'est pas grave d'avoir des cœurs rouges, vu qu'on a de toute façon pas le Polaroid à la fin. Ok, donc là, on est bon. On a posé 3 trinkets à Catacombe 2. On verra si on a 3 bouts de clé. Emmerdez pas, putain, j'ai rien touché. Voilà, merci, ils vont se suicider. Il y a bien besoin de ça. Le feu qui me tire dessus. Le feu qui me tire dessus. Incroyable, incroyable. Double en... Mais arrêtez de me filer des cartes en presse là. S'il vous plaît. Donne-moi des cœurs noirs. Des bébés. Quelque chose. Il faut faire attention avec le Seven Seal parce que voilà, lui il peut faire spawner des mouches qui explosent. Je vais prendre le cœur blanc. Stars. Ok, je garde Stars pour le moment. On viendra rechercher Empress après. On cherche d'abord le shop. Et on cherche une Curse Room éventuellement. Également pour l'avoir gratos. Oula, ça l'accélère, attention. Bon. Full Stars, Two of Spades. Yes, Two of Spades, go. 26 clés, très bien, on garde Stars. Ok, on a une curse room ici. Death encore. On a une curse room ici. Is ok. Quoi, 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 il me charge. Il me charge ces machins. Ils restent pas collés au mur. Attention les feux rouges. Putain, elle met le temps. Hein. Il y en a une autre. Il y en a 3, il y en a 4. Encore un bout de feu rouge. Ok, il y a le shop ici, item room ici. Good. Qu'est-ce que... Pourquoi ça... Ça a détruit les cailloux? Ah, c'est le... Ce Seven Seal là, c'est ce cavalier là qui détruit les cailloux peut-être. Pilule, Hematemesis. Ok. Stars, on garde. On va au shop d'abord. Bonjour le shop. Merde. Je m'emmerde. Emperor, Stars ou Judgment. Ben Judgment, mais on va aller voir la secrète d'abord. Ok, pas de machine de reroll. Tant pis, Judgment. Ah, mauvais bouton. C'est pas grave, c'est ce que je voulais faire. J'ai pris le cœur blanc. Ah oui, alors attendez, lui il nous fait plus perdre le cœur blanc, je crois. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc on reviendra après. Donc on prend Stars. On va dans la curse. Oui, 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 je prends, merci. Merci pour le petit item du chat gratos. Stars. Ou Tech 2, non. Ça on prend pas, par contre. C'est de la merde. Ok, on vient par ici. Vas-y, j'ai des bombes, ça bombe les crânes aussi. Rien du tout, pas de bol. Bonjour Phoenix. Ok, on a le boss. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste sur cet étage? Une salle, la super secrète. Petit cœur bleu, merci. Lover.
Lover Devil, ok. Ah, attendez. Ouais. The Lover ici. Devil Emperor. Ok. Alors, on va aller faire le boss maintenant. Et on bombera lui. Ah, quoique. Non, on peut le faire ça maintenant, lui. Ah, c'est ça, lui, il nous enlève plus les cœurs blancs. Et ça, c'est cool. C'est très, très cool. Au moins elle a identifié, on pourra peut-être économiser des bombes. Cœur. On n'avait pas encore des cœurs quelque part? Il me semble que si. Il y a un demi-cœur quelque part. Demi-cœur ici. Et on avait des cartes qui nous donnaient des trucs ou Empress, non. Ah oui, ouais, c'est ça, pilule et maths, c'est à ça que j'avais pensé. Ça, c'est quoi, Death Osef. La pilule et mathémésis, elle est là. Hematemesis. C'est un bout de clé, ça. Donc, c'est une trinket qu'on peut... Enfin, c'est un activable qu'on peut dropper. Ok, d'accord. Eh ben, on va le garder. Stars. Ah, mais non, mais je peux pas le... Si, oui, si, je peux le garder. Ok, c'est tout. Y'a plus de cœur. Du coup, on va bomber ces deux-là. Et du coup, on garde ça. Ah, mais de toute façon, on va revenir le chercher. On va juste faire le boss avec Devil. Je suis à quel étage? Deps 1, ok. De toute façon, on allait l'avoir. Mais peut-être qu'on va pouvoir en avoir plusieurs. Tu vas voir, petit cocombre. Tu vas voir. Peut-être, parce qu'on cherche encore à peu près à quoi ça sert. On cherche surtout comment l'utiliser, mais tu vas voir. Tiens, on a de la chatte hein, sur les Devil Deal. Ça, c'est beau. Ok, on a moins de chatte. Le petit Lump of Coal, par contre, s'il te plaît. Quoique, peut-être la tête de Krampus avec... je vais peut-être la garder, la tête de Krampus. Hein. S'il me donne la tête de Krampus, je pense que je la garde, vu que j'ai la carbatterie. Bon, Lump of Coal, ça me va. Les deux mallets. En vrai, les deux mallets. Alors, par contre, avant de partir sans... on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va dropper ça. Dans la pièce du boss. Ok. J'ai oublié une pièce dans le shop. Ah oui, une pièce dans le shop. Bien vu. Du coup, on garde ça avec nous. Ah non, mais je suis con, c'est pas une trinket. C'est une carte. Bien vu, j'ai oublié ça. Donc, la cracked key, on la garde pour le moment. Et ça, je la garde aussi. Ok, alors, on a tout fait. Non, il me reste une salle que j'ai pas fait, moi. Et comme ça, ça me permet aussi d'explorer un petit peu, voir si... Ah, bah, vous voyez? Là, il y a une porte ici aussi, secrète. Donc, ça nous génère juste des salles supplémentaires, ce truc. Ok, ça nous génère des salles supplémentaires. Parce que là, secret et super secret, on les a déjà, donc... Et... Ah, où on veut, en fait? Dès le moment que c'est un endroit accessible, ça peut nous générer des portes où on veut. Là, c'est pas accessible à cause des crânes. Là, c'est pas accessible du tout. Là, à droite, c'est possible. Ok, donc ça nous génère des portes. Très bien. On testera après, quand on en aura plusieurs des bouts de clés. Si elles se stackent pas, on testera après.
Ah, du coup, là, idéalement, il me faudrait tellement un item qui me permet de porter deux cartes pour avoir deux craquettes qui. Allez, go. Ah, allez-y, ok. Vas-y, j'ai 5 bombes. Ah, super. Putain, pas de luck. Je suis à 2 de luck et je drop rien. Attends. Ok, alors déjà, elle se stack pas. Donc c'est bon à savoir, premièrement. Deuxièmement, c'est quoi la proba d'en dropper? The fuck? Attendez, on va l'utiliser. Ah, je peux pas l'utiliser. Ah, ok, il faut que je m'approche. Ouais, il faut que je m'approche, d'accord. Et ouais, c'est ça, ça génère des salles aléatoires. Donc tout à l'heure, on a eu une salle avec des cœurs, et ici, on a une salle avec des monstres. D'accord. Wow! Et merci beaucoup, Tomcott! Oh, ça fait pas longtemps! Ça fait seulement 5 ans! Merci beaucoup, Tomcott, pour les 5 ans de sub! Et re-bienvenue! Merci beaucoup! Et de 5. Merci beaucoup, Tomcott, re-bienvenue! Ça fait plaisir! Attendez, il y a. Je peux aller voir ici aussi, vite fait. Bon, allez. Ouais, mais du coup, je pense que techniquement, je peux l'utiliser. Hein. Bah, on va jouer à sécurité pendant. Oh, mais what the fuck? Mais c'est quoi les probas? J'ai un item ou j'ai quelque chose qui fait qu'on en drop plus? S'il y en a encore une là? What the fuck? What is the fuck? Bah, go, hein. Ah, mais non, je suis con! Putain, je suis con, c'est celle que j'avais sur moi, ça m'a juste échangé. Bon, heureusement qu'on a fait un setup pour les... Ah, attendez, par contre, je vois un softlock potentiel, là. Là, je vois un softlock potentiel. Si je prends du dégât, la porte, elle va pas s'ouvrir, en fait. Si je suis plus full life, la porte, elle s'ouvre pas. Ah non, c'était la mienne, oui, j'avais deux cartes, j'ai généré deux cartes. C'est pas grave, on a posé le setup pour en générer d'autres, hein, donc ça va. World et Lover, on va garder Lover. Non, on va garder World. Non, mais non, on a le blue map, donc on va garder Lover. Et de toute façon, ouais, on a généré à Depths... Non, à Catacombe 2, hein. On a posé des trinkets. Ok, go. Non, il n'y aura pas de StarCraft 2 dans le marathon, non. Tu as la liste des jeux en faisant point d'exclamation marathon, je crois. Alors, c'est pas tous les jeux, il y en a quelques-uns qui vont sauter, etc. Mais globalement, c'est la liste des jeux. Aucune idée, Thorak. C'est seulement les troisièmes que je fais, hein. Ok, nous sommes donc à Depths 2. Nous sommes à Depths 2. On va full clear. Et donc là, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, qui n'étaient pas là hier soir, vous avez vu une nouvelle porte. Eh bien, cette porte-là, on va l'ouvrir. Merde, j'ai pas vu arriver. Ah, pour le moment, ces nouvelles portes-là ne m'ont absolument rien donné d'intéressant. Hein. Mais vous allez voir que... Et je pense que ma solution est la bonne. Vous allez voir que ça va nous donner un truc vraiment spécial. Normalement. Putain, par contre, j'ai trop de merdier. Et du coup, je me prends pour d'autres. Je me prends pour des ennemis et pour mes compagnons. Il y a trop de merdier à l'écran, là. Fant, cool. Lover et High Priestess. Par contre, là, on a vraiment pas un build pour le boss. Hein. Clairement, il nous faudrait un petit upscale quelque part parce que c'est compliqué. Et je suis plus War of Babylon, mon passage. Je ne suis plus War of Babylon. J'ai beaucoup trop de cœurs bleus. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de dégâts aussi. Donc il nous faudrait une arcade. Thank you.
dégâts. Ouais. Pour le moment, c'est mes flammes qui font l'intégralité de mon DPS. Hein. Ok, on a le shop. Ah, nice. Ok, je peux me remettre en War Babylon. Et s'il me donne le HP up, on va pas le ramasser. Ah, quoi que. Je sais pas trop. Le mendiant, on va certainement le contenter aussi. Est-ce qu'on veut le sablier blanc? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le coupon, par contre, c'est assez cool. Surtout avec la. Est-ce qu'on veut le sablier bleu en vrai Bon, allez, j'utilise déjà. On a une carte gratos. Strength. Un strength, on peut la garder pour le boss de fin. On va prendre le cœur bleu. On va prendre la pilule aussi parce que j'ai une masse de pognon. Bad gaz. Ok. Alors, nous allons contenter le monsieur ici. Ouais, je peux garder le coupon pour le DD au pire, ouais. Faut que je le recharge. Et je peux, ouais. Fuck! C'est le HP up, ça, hein. Je fais pas la différence entre les deux. Bah, de toute façon, on a des cœurs, donc autant le prendre. Hein. C'est bien le HP up, ouais. Et du coup, on est plus War of Babylon. On est plus War of Babylon. Bon, attendez, je vais faire deux salles, on va recharger mon deck of cards. Quoique, on s'en fout, non. On s'en fout, on veut surtout recharger le coupon au cas où on a le débit de ville. Mais il nous reste un shop, il nous reste un shop, il nous reste un shop, il nous reste un shop. Il nous restera un shop après. Donc je vais encore. Ah, on a déjà eu grid. Je vais mettre un petit peu de sous dans la banque. Histoire qu'on s'approche de la fin. On va rester à 30. Voilà, 30. On a gagné un luck, un de luck. Donc je vais recharger le coupon. Après, en vrai, le Devil Deal, si je peux perdre 3 cœurs, ça peut être bien aussi. Hein. J'ai eu 2 de luck en plus. Ah oui, 2 de luck en plus. Oui, oui, là, The Full, j'oublie pas. Vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Pour le moment, je full clear de toute façon avant. Parce que j'ai vraiment besoin de upscale mon build là. Ah, cool. Allez, explose pas. Explose pas. Bon, merci. Excellent. Du coup, on va même se mettre à 0 cœur. Comme ça, on pourra peut-être revenir. Eh ben, c'est le HP up. Celui-ci, par contre, je le prends pas. Comme ça, si je peux rester à 0 cœur, c'est bien. On va bomber lui. On va bomber lui. Ah bah non, on bombe pas lui. On bombe pas lui. Lui, on le paye. Et d'autant plus qu'il peut me dropper. Voilà, un item batterie. La batterie qui stocke de l'énergie. Cool. Bon, du coup, il m'a pas du tout rechargé mon coupon, mais on devrait avoir assez de salle pour le recharger en entier, je pense. D'autant qu'on peut faire la curse ici en bas après. C'est pas le HP up ? Putain ! Je fais pas la différence, j'arrive pas à faire la différence entre les deux. Si, si, il me semble que c'est le HP up, hein. C'est pas la colle ça, je sais plus ce que c'est. Il fait quoi celui-ci, je sais plus. Tier size range up. C'est pas énorme hein, le tier size. On a déjà vu pire. What? À quel point il est ralenti là? Putain, il lag tellement il est ralenti. J'avoue que ça a grossi la flamme par contre, ouais. Ça a grossi la flamme, ça c'est pas mal. Là.
tué par l'anti-U d'ailleurs. Ok, c'est bon, le coupon est chargé. Le coupon est chargé. Ok. Donc maintenant, il y a de la popote à faire, attendez. Maintenant que le coupon est chargé, je reprends le deck of cards. Ouais, on va commencer à scout. Vous l'avez vu le crâne marqué ou pas? Il est là. C'est bon. Merci pour votre aide. Je vais déjà prendre ça par sécurité, comme ça on l'oubliera pas. Mais rappelez, je vais quand même vérifier avant. On reprend ça maintenant et on se balade. On finit de clear l'étage et on recharge cet item. Le build manque quand même de patates. Hein. Je vais quand même galérer pour le boss. Ah, c'est le 7 Seal qui est ralenti seulement. Ah, c'est vrai que j'avais pas trouvé les timbres encore. Stars, full. Magician, full. Stars. Merde, j'ai fait quoi de ma... Ah oui, mais la full là. Ok. Ah, bah voilà du dégât. En voilà du dégât. Bon, c'est du dégât à portée, mais. À courte portée, mais c'est du dégât quand même. C'est du dégât quand même. Ok, on garde full. Magician, tant pis. On garde full. Ok, droite. Ah, puis attendez, vu que les flammes, elles ont grossi avec la flamme size. Du coup, les flammes aussi ont dû prendre du damage up. Et je sais pas, là, comment est-ce qu'est leur dégâts par rapport à ma distance. Un petit cœur noir, c'est cool. Parce qu'elle diminue pas de taille en s'éloignant. Les flammes. Non, ici. Ah, mais attendez, par contre, on a masse de cœur. On va voir ce que dit le Devil Deal. Mais peut-être qu'on pourra venir se sacrifier un petit peu. Voilà. Écoutez, on récupère une Guppy's Paw dans le Devil Deal et c'est réglé, hein. Ouais, je vais perdre mon demi-cœur noir pour la curse. Okay, je vais perdre un petit peu plus. Attendez. Ouais, tant pis, hein. Ok, je récupère le cœur noir. Bon, on se retrouve exactement au même qu'avant, mais avec des pièces et des bonbons en plus. Très bien. Ok, alors, j'ai ma The Fool. J'ai fait toutes les secrets super secrets. J'ai ramassé tout ce qu'il y avait à ramasser. Donc on est bon comme ça. Je récupère le coupon. Je récupère le coupon. J'ai des trinkets qui traînent, mais à cet étage, ça va pas fonctionner. Ah, ça peut-être fonctionner. En vrai, on va en avoir assez. Normalement, on en a 3, si ça en a généré 3. Au pire, c'est du détail. Au pire, c'est du détail. Donc, j'ai The Fool, j'ai le coupon. Ok. Oui, t'inquiète, Arcade, t'inquiète. Allez, go pour Mom. On est bien à Debs 2, hein. Oui. Go pour Mom. J'ai The Fool, go. Oh, puis les ralentis en plus, formidable. Oh le feu! Oh le DPS du feu! Ok, ouais, pas de Devil Deal. Franchement, sincèrement, je m'en doutais. Ça, je le veux bien par contre. Ok, donc maintenant j'utilise The Fool. Je donne le Polaroid ici. Et donc, maintenant on va aller à se sacrifier pour avoir Devil Deal ou God Room. Et du merdier en plus. Donc, go. En plus, il y a des cœurs de partout. Alors, par contre, quand je me sacrifie, on est d'accord. Ah, c'est le cœur noir qui prend, j'étais pas sûr. Écoutez. C'est gratuit, on prend le petit halo gratos, un petit all stats up. Ça me va. Ça me va, ok, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on n'a plus de bombes, on n'a pas de drop de cœur bleu, génial. Ok, est-ce que ça vaut la peine de sacrifier encore? Je crois que oui, hein. Je crois que oui. Le problème c'est que là par contre je vais le perdre le cœur blanc, ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Il peut y avoir encore un item qui spawn, hein, je crois. Attendez, je vais vite aller voir sur le wiki les phases Binding of Isaac Wiki. Les phases de la Curse Room. Non, de la Sacrifice.
Salle du sacrifice. Alors... Donc là, on a eu la TP. Shield Bless. Téléportation. Donc on est à la sixième sacrifice. Septième, on peut avoir un objet de l'ange ou un cœur d'âme. Ouais, donc je me sacrifie encore une fois. Je me sacrifie encore une fois, au moins. Oh, c'est zéro! Oh, ça, c'est vraiment nul! C'est vraiment nul! Bon, bah, tant pis. Tant pis, on sacrifie pas plus, parce que après on a encore des chances de drop de cœur bleu. Mais c'est quoi? C'est du 50-50, je pense. On tente le 50-50 ou pas? Ouais, c'est du 50-50. Allez, on peut dropper 7 cœurs bleus encore. Allez. Donc là, c'est 7 troll bombes. Ensuite, c'est Uriel. Et je crois que c'est celle-là. Ok, on a du bol. Le talent. Ouais, pas de bol. Pas, on a du talent, pardon. Et sacrifier plus, c'est pas utile. Ok. Bon bah tant pis, hein. Par contre on est plus War of Babylon. Ce qui fait un peu mal au fion, mais bah, c'est la vie ma bonne dame. C'est la vie ma bonne dame, mais bon, on croit encore en une petite TP random, Devil Deal, tout ça. Je vais garder mon deck of cards par contre, tant pis pour le coupon. Au pire le coupon c'est pour soit le shop gratuit, j'ai 48 pièces, soit un Devil Deal, j'ai des milliards de cœurs. Strength on garde. Et deck of cards on garde. Avec Priestess, on va regarder Strength. Ok. On a tout fait à cet étage. On a tout fait à cet étage. Donc on retourne à la porte. Elle est où la porte? Elle est où la porte? Elle est là. Go. Donc les machines. Il y a encore un shop. Il y a encore un shop à cet étage. Ah, oh, puis une Curse of the Blind, génial. Ok, on va attendre de voir si on a une carte de TP. Justice. Ouais, les flammes qui font DPS, hein. Parce que mon DPS à moi est vraiment pas fou. Yo, ça va et toi? Putain, il éteint mes flammes, le con! Merde! Ça va, on prend encore que des demi-cœurs ici. C'est à la remontée qu'on prend des cœurs complets. Putain, ils ont une portée de bâtard, ces machins. Et bon, crevé, merci. Ok, on a le shop. Bonjour, on va prendre en blind, hein, évidemment. Sous le converteur. Aïe! Non, on veut pas ça. On veut pas ça. The Hermit. Ah bah, on a une carte de TP, parfait. Hermit. Sun. Ah, Sun, par contre, on peut la garder pour le boss de fin. On va garder Hermit. Ah, oh, intéressant. Ok, alors attendez, on va à la curse d'abord. Oui, deux fois, random. Deux fois. Mais les deux fois, j'avais des builds un peu plus craqués que ça. Là, on est très très faible quand même. Ok, on fait Hermit. Très bien. Sun, Strength, Sun. Pour le moment, non, pour le moment, je vais garder... On s'en fout. Strength. Alors, on se blesse. N'explose pas, s'il te plaît. Ou donne-moi le Ivy Bag, ce serait vraiment cool. Encore une. Yes, ok. Très bien. Donc on se met à 0 cœur. Me file pas de HP up, toi, s'il te plaît. File-moi un Luck Up. Ou une marque, ou un pacte, ou un Magic Mush, ou.
Ah, je demande pas la lune, un magic mushroom. Non, pas la troll bomb. Oh putain, je viens de te sauver la vie. T'as intérêt à me filer un magic mushroom maintenant. Hein. C'est vrai, j'avais oublié. Allez. Ah fuck. Ah mais il me heal pas, le souper me heal pas. Et la machine n'explose pas, parfait. Ok. Bon, du coup nous sommes War of Babylon à nouveau. Ah, j'ai pas de bombe. Ok, on a le boss, on y touche absolument pas tout de suite parce que je crois que ça reset... Non, ça... C'est quand qu'on avait foiré, qu'on avait reset l'étage bizarrement? Comment on avait fait, je sais plus. Non, non, c'était avec le couteau. Ah, bon, ça, je le prends pas, par contre. Ça, si c'est le heavy bag, on en a pas besoin, on a pas de cœur. Si c'est le HP up, c'est la merde. Donc, on prend pas. Panic button. Ah, c'est face au corps, ouais, qu'on avait eu un reset de l'étage qui nous avait foutu dedans. Qui nous avait coûté une run. C'est pour ça que j'ai pas encore banqué. Ah ouais, non mais... Ah. Effet violet, il te tire dessus, ouais. Avec des flammes homing. Ouais, mais on est en Curse of the Blind. On va voir si on trouve une autre machine de don de sang, mais pour le moment, non. Que ça, il y a des chances que ça me heal. Oh le mur de feu. Alors meurs. Oula, saleté ça. Oh saleté ça. Ouais, c'est vraiment mes flammes qui font mon DPS. Hein. Donc j'espère que les flammes elles sont pas soumises à la gravité. J'ai pas de bombe pour la secret. On devient bookworm, non? Je crois qu'on avait touché un bouquin. Je sais plus. Anarchy Kugou. Ben j'ai des mobs. Et auto jump, on s'en branle. Non, j'avais pas touché de bouquin malheureusement. Du coup, on va faire ça comme ça. Pas dans la gueule. Ah, c'est bon. Empereur, Osef. Attention, le caillou a des picots. Ah, niam, 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 niam. Hop là. Sport shot. Ah oui, c'était fort les sport shots. C'était fort. Ok. Je récupère, c'est quoi ça hein? Ouais, des coffres cards. Il me reste deux salles. Non, il me reste qu'une salle. Ok, bon, bah la batterie. High Priestess. Emperor. Chariot. High Priestess. Emperor. Chariot. On s'en fout, de toute façon, on va vouloir garder l'autre. Ah oui, c'est vrai que j'ai la double charge, donc parfait. Tough Diamond. Ok, je le garde pour le moment. Emperor, Strength. Ok, Diamond. Parce qu'on va rester... Alors, il me semblait de base, en fait, que... la War of Babylon... Ah si, il restait deux salles. La War of Babylon, on la perdait si on était heal dans une salle. Mais il m'a semblé qu'en fait, non, sur la run d'avant. Du coup, on va pouvoir se heal. Donc, garder. C'était The Sun. On va pouvoir utiliser, garder The Sun et on l'utilisera au début du boss. Afin d'être full life quand même, mais tout en étant War of Babylon. Ok, du coup, mon Tour of Diamond, on va aller banquer tout ça. Il y a une batterie encore, go. D'ailleurs, ils ont corrigé ça. La batterie, elle m'a redonné les deux charges en plus qu'on les perdait ces charges avant. Et on peut avoir aussi une petite carte joker en plus avec mon deck of cards. Allez, bloque pas s'il te plaît, 50 pièces. Fuck. Bon, on y est presque, hein. On y est presque, 900 les poussières. Alors, du coup, Two of Diamond ne sert pas à grand chose. Je vais quand même l'utiliser. Justice. Surtout pas ramasser le cœur. On a quoi d'autre? Sun. Ok, j'ai deux cartes Sun. Des clefs. Une bombe, comme ça on pourra aller à la super... Non, il n'y a pas de super secret sur cet étage. Hein. Ah si, non, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Oui, le pendu est tout petit, c'est parce qu'il n'a pas de tête. C'est parce que ils ont des grosses têtes. Et des grosses biroutes, les persos de Isaac. Ok, donc là, on est bon.
J'ai mon The Sun. On a fait tout l'état. J'ai un cœur bleu que je peux pas prendre. On a tout, je crois. Hein. On garde Deck of Cards. J'ai quoi comme activable ici déjà? Sous le converteur, non, on s'en branle. Et ici, c'est quoi l'activable? On sait... c'est pas un activable, mais on veut pas le prendre. Ça doit être un HP. Ok. Du coup. Bah, on est bon, hein. On est bon, YOLO. YOLO. Donc, la note de papa. Surtout pas ramasser de cœur, hein. Attention, il y a des feux, ils sont pas à moi. Ah oui, c'est vrai qu'on a les sport shots maintenant. Ça, ça pourra faire du dégât aussi. Mais par contre, 8,70 de dégâts. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Je me demande si on peut le faire en accéléré ou en ralenti le... La beast. The beast. Oula, 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 oula. Non, ça le fait. Merde. Ouais, alors, à partir d'ici, on prend des cœurs complets de dégâts. Empress, Sun. Empress, deux Empress. Non, Hypostest, ok. Prions pour que ce soit pas en accéléré. Bah, ouais. Je préférais même l'avoir en normal. Attendez, j'avais pris l'item. Oui, l'item, je l'ai pris, donc là, il y aura pas. C'est des nouveaux, je connais pas les momies là, c'est marrant. C'est rigolo. I can swerve. Ok, c'est cool. Peut-être qu'il y aura des trucs. Ça peut pas être ici. Il n'y a pas de... Ah oui, ok. On l'avait déjà vu en plus. Il n'y a pas de secret, super secret sur ces étages. Par contre, il y a des feux bleus. J'ai deux bombes. Bon. Ah. L'étage suivant. C'est mort, on n'a pas eu la voix quand je l'ai ramassé. J'ai pas eu la voix quand je l'ai ramassé. Alors, à cet âge, je crois que c'est normal, mais à l'étage... Merde. À l'étage d'avant, normalement, j'étais censé avoir la voix, non? Ah, parce que je l'ai déjà fait dans ma session, d'accord. Oui, pas les trinkets. Oui, 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 bah c'est pas ici, hein. C'est pas ici. Si dans ma session, je l'ai déjà fait, d'accord. Et bonjour, Kiki. Je sais pas si tu viens d'arriver. Bonjour. Tout secret, on s'en fout, il y aura plus de secret. Mendiant des clés, bonjour. Attendez, alors j'ai des choses pour vous. Allez, filez-moi un truc qui permet de porter deux items, deux cartes. Faut qu'on garde une clé, pas qu'on oublie, hein. Ok. En parlant de clé. What the fuck, cette run? On en a eu combien? On a eu 5 red shards. Et la red key. Ok, attention de ne pas ramasser de cœur par contre. Alors je sais pas du tout, mais on va quand même prendre ça. Hein. Je vais finir l'étage et on va prendre ça. Lucky Penny. TP Devil Deal peut-être? Ah oui, mais en plus, attendez, j'ai la double utilisation. Alors, je sais pas du tout si ça va pouvoir marcher deux fois, mais... Oui, j'ai eu un luck up en plus, ouais. Allez, je fais encore deux salles. Ah, dis-moi qu'il y a encore au moins deux salles de mob. Bah, quoi qu'on... Merde. Ah si, on peut avoir des Hero Fans qui pourraient être pas mal aussi. Donc, je commence à perdre des cœurs, là, moi, comme un sac. Le cœur rouge, j'ai peur que ça me casse ma War of Babylon, donc non.
Emperor, Sun, Ermite. Il n'y a pas d'ermite. Donc je garde Sun et on prend ça. La Red Key qui nous permet justement de faire spawner des nouvelles pièces. Et donc, bon, on n'a pas beaucoup de vie. Bon, après, on a une 9 vie de Guppy. Vraisemblablement, si j'ai bien compris, on va avoir, on va débloquer un nouveau perso. Peut-être des nouveaux persos. Je sais pas s'il faut le faire avec chaque perso. Ça paraît très logique dans, dans l'esprit de Isaac. Ce serait dans l'esprit. Mais peut-être qu'il faut le faire qu'une fois, je sais pas. Me le dites pas dans le chat, évidemment. Ok, en fait, si on prend pas les items restent les mêmes. D'accord. La fée de Polaroid, on n'en veut pas. Et là, l'avantage, c'est que je peux avoir deux charges de clés. Donc si ça se trouve, on va peut-être pouvoir ouvrir quatre pièces dans la maison de Mom. Je crois qu'il faut que je sois proche, hein, je crois. On verra. Je sais pas comment ça fonctionne. Vu que je dois être proche, ça va peut-être en utiliser qu'une seule fois. Par contre, t'es sérieux, là, le cœur? Fuck! Putain, les dégâts débiles que je me prends, bordel. Va falloir que j'utilise The Sun, hein, à terme. Si ça continue comme ça. Ou que je sorte des cœurs bleus. Je vais peut-être continuer d'explorer un peu, hein. Ok, j'ai des bombes. File-moi des cœurs noirs, s'il te plaît. Ou une carte Hierophant. Non, mais pas Zermite, bordel, il n'y a plus d'ermite. On les a tués, les ermites. J'ai cru que c'était les protéger. Putain, on n'a pas de bol sur les drops. Hein. On est où? Deps 1. Ok, je peux me permettre d'utiliser la clé. Alors du coup, on peut tester. Est-ce que ça va utiliser mes deux charges? Non, ça en utilise qu'une parce qu'on est loin des autres. Ok. Go. On a une salle de sacrifice. Ok, sorti du trou du cul du monde, on a généré une salle de sacrifice. Donc ça génère des salles aléatoires, vraiment. Ok. Alors vu mon nombre de cœurs, techniquement, je pourrais me sacrifier. Mais ça me fait utiliser The Sun et ça me fait perdre War of Babylon, c'est peut-être pas une bonne idée. On a fini l'étage, yes. Du coup, on remonte. Ah mais oui, mais du coup, The Sun. Elles sont là, donc on en a bel et bien 3. Mais oui, du coup, The Sun, je peux pas la garder. Mais comme on a la Red Key, en vrai, je les prends pas. En vrai, je vais garder les... Je vais garder The Sun et on garde la Red Key, hein, je pense. Ouais, on va la jouer comme ça, ouais. On va Red Key et on va ouvrir les salles ici. Oh yes. Je le laisse pour le moment. On va ouvrir des salles ici avec les shards. Ok, ici je peux me générer des salles. Ah non, ici il veut pas. Ah, il veut pas à côté de la salle de boss. C'est tout ça, c'est tout. Il veut juste pas à côté de la salle de boss. Du coup, hop. Alors, la première salle qu'on avait eue était bien, parce que c'était une secret. Je crois, hein, que ou c'était un pattern de secret ou équivalent. Là, les nouvelles salles qu'on a, c'est pas fou. Je me demande à quel point on peut aller loin. Il y a un moyen de générer des batteries infinies, hein, avec Hiera. Du coup, il y a peut-être moyen d'avoir des salles infinies sur un étage. Peut-être. Ah, ça bloque à un moment. Ok. Ah,
Ah, c'était pas Glop, hein. C'était pas Glop. Mais on pourrait le faire encore une fois, éventuellement. Parce qu'on va avoir la double charge. Le cœur rouge. Fac, 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 fac. J'ai pas mon son, hein. J'ai pas mon son, faut que je me gaffe, hein. Je vais aller chercher le cœur bleu. Ouais, je vais reprendre mon son maintenant, d'ailleurs. Une fois, on va pas plus loin. Pas un caillou marqué ici? Non? Non. Ok, bon. Du coup, on monte. Hein. Est-ce que je clear? Vu qu'on a vu qu'il pouvait y avoir des mendiants, c'est peut-être pas une mauvaise idée de clear. 19 pièces. Ouais, je pense que je vais quand même clear les étages. Il peut y avoir des mendiants, on peut avoir des cailloux marqués, on peut avoir de quoi nous sauver un petit peu. Des coffres dorés aussi. Des coffres tout court. Bon, plus je clear, plus j'ai de chances de ramasser un cœur rouge, hein, mais. Le risque en vaut la peine, je pense. Frappico, non, on touche pas. Ok, étage suivant. J'ai encore une charge. Je suis où, hein? Je suis à Cave, ouais, je peux. Ça va être la dernière. Maintenant, on joue à sécurité. On n'utilise plus notre clé rouge. On va aller à la maison de Mom avec deux charges pour voir si ça marche. Déjà, je sais même pas si avec une charge ça marche, mais je ne vois que ça, perso. Ok, on est bon. Ah ok Karchou, donc on va surtout pas quitter dans ce cas. Ah regardez, ce qu'on a droppé reste en fait. Ce qu'on a droppé reste et c'est juste les trinkets qui sont changés en TKC. Oh joli ça. Merci le jeu qui a pitié. Merci le jeu qui a pitié. Attention, 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 ça se passe bien, nickel. Ok. Alors on a dit qu'on allait faire un full clear. Hein. Par contre, quoi, si on se tape une salle accélérée avec un des nouveaux mobs de ces étages là, ça peut être violent. Nice. Ah mais je suis full life. Putain, j'ai trop de cœur rouge moi. Attends, mon build est naze, hein. Je suis pas sûr d'avoir le build pour affronter les deux boss, hein. Enfin, les 5-6 boss, en l'occurrence. On verra. Déjà, j'espère pouvoir passer Dogma sans utiliser mon The Sun. Il y a un caillou marqué ici. Petit Small Rock? Non, il est pas débloqué, Small Rock. Putain, il y a trop de cœur maintenant. Ok, bon, il n'y a rien d'autre sur cet âge. Donc, bah, on doit laisser des cœurs derrière et ça fait mal au cul. Tant pis. Oh. Ouais, coffre à rouge TP David Deal ferait pas mal plaisir, ouais. Ou une petite carte Joker aussi dans Nick Ran. Serait la bienvenue.
404, c'est des effets de trinket aléatoires. Non. Il suffit qu'on se tape une de merde pour le boss et c'est la mort. Il a l'air d'être méga speed lui maintenant en rose, hein. C'est quoi ça? C'est un nouveau Brainworm Ding. Non, je pense que Piercing Shot est mieux. J'ai peur que ça me fasse une connerie ce truc. Ah! Bon, il y a un caillou marqué en plus, mais il y a un petit mendiant. Vas-y, tiens, j'ai plein de pognon. Pas le HP up, s'il te plaît. Tout sauf le HP up. Et pas des cœurs sur toi? Ouais, bon, bah. On pète quand on me touche maintenant. Super! Super! Je sais même pas pourquoi je bombe le caillou marqué. On sait qu'on peut pas prendre de cœur bleu. Mais ça avance par contre sur le Small Rock, donc c'est bon. Il est pas mort. Ça a masse de PV, hein, ces nouvelles mouches. Je sais pas ce qui m'a touché. Mais c'est tant mieux, on a un cœur bleu derrière. Lui aussi, ouais, c'est nouveau mob en fait. Juste ces nouveaux mobs ont masse de PV, quel qu'il soit. Ça y est, c'est quand même pris un sacré paquet de merdier, il est pas encore mort, hein. Ouais, what the fuck là, il va fumer, Edmund. Edmund, merci. Ok. Ok, on a fait l'étage, je suis full life, c'est bon, et on est à Dead Basement 1, il nous reste un étage. J'ai toujours ma carte, j'ai mon The Sun, ok. Last étage. Et surtout, on a réussi à faire tous ces étages sans ramasser le moindre cœur rouge, et ça, c'est beau. Ouais, ok, en fait, lui, ses larmes se transforment en... Enfin, ses larmes explosent à ce machin. Contre, les flammes, elles font le café, hein. Ah, regardez, c'est, on est l'un sur l'autre. Merde, il est l'un sur l'autre. C'est des versions méga élite qui ont méga milliards de PV. J'ai pris un hit, hein, au passage. Et il s'est suicidé dans le feu. Oh, le drop de cœur bleu. Le drop de cœur bleu random, merci. Je sais pas d'où il vient, mais merci. J'accepte. Et eux ne peuvent pas s'enflammer et devenir élite avec mes flammes à moi, je crois. Ah si, peut-être. Ah, j'ai pas vu. Parce qu'il prenait pas de dégâts de ma flamme. J'ai toutes les pièces que je veux, on s'en fout. Oula, oula, voilà. Exactement, cette salle-là accélérée, avec des mobs à la con comme ça accélérés, c'est pas une bonne nouvelle. Vas-y, meurs dans les flammes. Kill it with fire. À mort, merci. Bien géré. Demi-cœur bleu. Rien d'autre derrière, ok. Le petit double monstre, j'ai l'impression qu'on l'a à chaque étage par contre, hein, au basement tout le temps. Ça fait beaucoup là, non? Comment je me suis fait toucher? The fuck? J'ai pas vu. Le jeu qui a tellement pitié de moi, dès que je prends un hit, il me redrop un cœur bleu. Non! Oh là! Oh, oh la panique! Oh la panique! Heureusement que je me déplace vite, hein. Pas si tu avais vu mon message hier, mais si tu aimes les films sur schizophrénie. Il y a Split qui est vraiment sympa. Ah oui, mais Split! Bien sûr!
de Shyamalan. J'ai adoré, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé. J'ai adoré, et surtout la fin. Après la fin, moi je l'avais vu au ciné, je l'avais vu avec Yudo, mon ex. Et elle n'avait pas vu... Alors, je vais rien spoiler. Donc, elle n'avait pas vu un autre film. Et du coup, elle n'a pas compris la fin. Moi, j'étais comme un dingue. Parce que je m'étais pas du tout fait spoiler, j'avais pas vu cette info. J'étais comme un dingue quand j'ai vu la fin. Mais par contre, j'ai pas vu le 2, qui est sorti d'ailleurs. C'est... Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais je n'ai pas vu la suite, du coup. Glace, voilà. Glace, je l'ai pas vu. Bon, bah écoutez, on a full clear, on est full life. On a la clé qui est full chargée. Donc, ben, testons, hein. Let's go. Alors... Nous avons donc notre clé full chargée. Alors, ici on peut pas générer, ici on peut pas générer, ici on peut pas générer, ici on peut. J'ai dormi dans le lit! Non! Je savais pas qu'on pouvait dormir dans ce lit! Je. Bon. Au moins on a des cœurs. Mais on va. Putain, j'ai tenu 6 étages sans ramasser de cœurs! Bon, écoutez, au moins on a des cœurs maintenant. Et surtout, on a un The Sun, donc ça va. On passe de 8,69. Ok, je perds quand même 3 de dégâts. Hein. C'est beaucoup. Mais bon, bon, là, on peut pas générer de porte, j'ai l'impression. Ok, ouais, ici, j'ai l'impression qu'on peut pas générer de porte. Est-ce qu'on peut générer une porte pour sortir de la maison? On dirait pas. Ah, oui! T'es qui, toi? Eve? Alors... Donc, on se débloque nous-mêmes. On se débloque nous-mêmes, d'accord? Donc, je peux pas l'utiliser plusieurs fois, apparemment, hein. Je peux pas l'utiliser, d'accord. Bon, on saura, on peut pas débloquer plusieurs persos, donc il va effectivement falloir le faire avec tous les persos. Et donc on débloque une nouvelle Eve, peut-être? Peut-être. Alors par contre, juste avant d'affronter le boss, d'un point de vue RP, est-ce que ça veut dire que Eve existe réellement? Après non, on se débloque nous-mêmes, donc... Non, on se débloque nous-mêmes. Donc, ah mais... Du coup, on est le Isaac mort... Attendez, on est le Isaac mort. On joue le Isaac mort. Regarde la map. Ah, elle forme un cœur. Et le miroir, du coup. On joue le Isaac mort. Donc, si ça se trouve, en fait, avec la clé là, cette clé, en fait, on va libérer le Isaac qui a été puni par maman, qu'on a vu dans une cinématique en butant maman. En butant mother. C'est peut-être un truc du genre. Ah, c'est ça, ou mom. À enfermer Isaac, donc on se débloque nous-mêmes, et en fait, c'est le fantôme de Isaac qui va libérer Isaac, peut-être, un truc du genre. Ou alors, ça n'a rien à voir, et c'est juste on débloque des persos alternatifs. Hein. Ok, Charm Tears. Bon, bah écoutez, c'est parti pour le boss. Let's go. On a un The Sun. La... Notre activable ne nous sert strictement à rien. C'est parti. Je suis pas sûr, avec mon DPS, avec mon build, je suis pas sûr de réussir à le faire. Hein. C'est les flammes qui vont faire le DPS. Donc, let's go. Let's go, let's go. Dogma, en avant. Ok, les flammes sont un DPS de bâtard, hein, sur le... Ah, mais attendez, est-ce que Dogma serait pas le DPS check? C'est peut-être Dogma le DPS check de... Oh, 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 oh. Ah, voilà, c'est l'attaque qu'on a pas vu tout à l'heure, ça. Ah, ça, on l'avait vu, par contre. C'est peut-être Dogma le DPS check de The Beast, hein, c'est possible. Là, on est en train de l'exploser, la première phase. On a pris qu'un dégât, ça va. C'est correct. Ah oui, non, c'est la phase d'après où il peut balancer des halos. Regardez. Ok, il vient d'où il est passé. Merde. Je me fais bourrer vraiment comme une merde, là. Ok. Alors, je vais être au taquet pour utiliser... Putain, je me fais défoncer. Faut que je sois au taquet pour utiliser The Sun. Hein. Il est où? Ok, il est là. Ne te retransforme pas, je déteste cette phase.
Merde, j'ai dit quoi? Ça transforme pas. Bon, au moins, il y a des flammes partout, donc il se prend du dégât dans les flammes un peu partout. C'est fini? C'est fini. Il est où? Il arrive. Non mais arrête putain, mais t'as des attaques ultra badass, ultra classe et tu fais que ça. Oui, il est mort. Non il est pas mort, c'est quoi ça? Si, c'est animation de fin, ok. On avait pas l'animation comme ça à la fin tout à l'heure, il me semble. Il est mort. Et il est mort du poison, ouais. Les dômes se cachent pour mourir, c'est ça. Ok. Alors en espérant que les flammes ne soient pas soumises à la gravité, hein, par contre. Sinon, ben, on a 0 DPS. Alors les flammes. Ok, les flammes sont pas soumises à la gravité, excellent. Donc ça devrait le faire. En plus, il est amoureux. Ce qui ne change rien, mais il est amoureux quand même. C'est pas grave, va où tu veux, il y a des flammes partout, moi ça me va. Ouais, sauf là en bas. Merde, mon DM. Alors ouais, il nous donne une... Eh d'ailleurs, oui, attendez. On a eu l'animation de la télé qui s'éteint. Et du coup, on n'a pas eu Justice qui nous tombe sur la gueule. Le jumpscare. Ouais, le DPS est quand même moindre par rapport à tout à l'heure. Hein. Compliqué. Et je me demande où on ripop si on est si avec Dead Cat. Ouais, mais la clé ne sert à rien, c'est bien beau de me donner des charges, mais ça change rien. Ah oui, puis j'ai l'Hump of Call, faut que je m'éloigne aussi. Faut que je prends à rester loin. Bon, après, j'ai pas une portée infinie et j'ai. Y'a le truc qui fait du dégât au contact aussi. Merde. Ouais, non, mais le DPS en vrai. Assez correct, pas aussi bon que tout à l'heure, mais assez correct grâce aux flammes. Et grâce à mes 5 de luck ou je sais pas combien. Ça passe. Ça passe, ça passe. Ok, première phase. Alors par contre, il crache du feu, je sais pas quel est mon feu, quel est son feu. Hein. Ah, je crois que mon feu reste statique, pas le sien. Ouais, voilà. Ok, je suis War of Babylon, parfait. Du coup, j'utilise la carte maintenant. On a gagné du DPS. Et je suis full life. Ok, ça devrait se passer. Ça devrait passer. Merde. Ah, ça c'était un dégât con. Merde, ça aussi c'est un dégât con. Ok, là faut juste s'esquiver. Je vois pas grand chose avec mes flammes par contre. Non, on fait un sacré DPS. Pourquoi mes flammes elles partent en haut? Je sais pas pourquoi mes flammes partaient en haut. Ok, The Beast. The Beast, il y a des flammes partout à l'écran. Il va déjà prendre une grosse sauce dès le début. Ah, puis les flammes elles sont poussées par l'écran, je crois que ça le touche quand même. Je crois que ça le touche quand même. Ouais, attendez, ça a duré vachement moins longtemps là. Du coup, je pense qu'on lui fait du DPS de bâtard avec les flammes. Et en plus, en War of Babylon. Vu qu'il me semble que mes flammes sont scale par rapport à mes dégâts. On a dû lui mettre assez cher, merde! On a dû lui mettre assez cher. Hein. Bon, moins que tout à l'heure, parce qu'il y avait déjà licorne cassée à ce moment-là. Merde. C'est un dégât con, ça aussi. Non. Ok, phase 2, phase 2, phase 2. Un tout petit peu moins de dégâts qu'avant, mais en vrai, ça passe. Hein.
Ça passe même bien. Oh, tranquille. Bon, merci The Sun quand même, hein, mais... Tranquille. Yay. Je vous laisse la cinématique, elle est trop cool. Les flammes qui caillent, clairement. Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving. Ah, du coup, ça colle pas avec la cinématique, le fait qu'on se libère nous-mêmes. He saw his mother sleeping, and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights, and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. Ah, ce sont les pleurs que je libère, d'accord. He saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so... Isaac and his parents lived in a small... Possible, Conquérix aussi, ouais. Possible. Okay. Eh ben écoutez, ça fait 3 fois qu'on l'a terminé. On a débloqué Cracked Orb. Très bien. YouTube! Au revoir, YouTube!